Clôture de l'atelier du plan national du numérique Horizon 2025, dont le plan est la création d'une agence pour la gestion numérique en RDC se retrouve parmi les recommandations. Nous vous y reviendrons en début de ce journal. Afrique du Sud orchestrée contre les étrangers, principalement les Africains. Nous vous suivrez également dans ce journal une marche de protestation organisée ici à Kinshasa devant l'ambassade de la République sud-africaine. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir plutôt et bienvenue aux 20h sur la radio-télévision nationale congolaise. Je le disais en titre dans l'actualité africaine, c'est depuis quelques jours que l'Afrique du Sud est plongée dans une violence xénophobe. Cette situation a poussé l'ASBL dénommé la force de Vital Kamerhe à dénoncer ces actes des anti-valeurs à travers une marche qu'elle a organisée à Kinshasa où elle a également déposé un mémo. Mais les cœurs sensibles peuvent s'abstenir par rapport à Chaco. Regardez. Parce qu'en Afrique du Sud, un homme, une vis. La situation des xénophobies qui prévaut actuellement en Afrique du Sud, marquée par des actes inhumains, odieux, dégradants que nos frères et sœurs sud-africains ne cessent de pratiquer ces derniers jours à l'égard des autres peuples africains qui ont choisi l'Afrique du Sud comme leur seconde patrie, n'a pas laissé indifférente l'association, son but lucratif, dénommé la force de Vital Kamerhe, mobiliser les règles et les principes universels des droits de l'homme. Cette structure a organisé Kinshasa pour condamner avec la dernière énergie ces actes de violence qui causent la mort de plusieurs de nos compatriotes africains. Nous sommes venus présenter nos mécontentements suite à ce qui se fait en Afrique du Sud, suite à la manière dont les Sud-Africains sont en train de tuer nos compatriotes, notre population qui vit en Afrique du Sud, la manière dont la population est brûlée et jetée de 9e niveau jusqu'en bas. Nous sommes très mécontents. C'est ainsi que nous sommes venus aujourd'hui pour leur dire officiellement à leurs autorités qu'ils conseillent à la population de laisser notre... Nous avons les Sud-Africains qui sont à Kinshasa, qui sont protégés, qui sont sécurisés. Nous voudrons, nous aussi, à notre tour, que les Congolais qui sont en Afrique du Sud soient protégés, soient sécurisés. C'est dans cette optique que la Vital Kamerhe, cette structure, réaffirme son attachement aux idéaux de liberté, solidarité, de paix, de justice, ainsi qu'aux principes sacrés de la vie humaine, en vue de bannir les antivaleurs qui rongent l'Afrique. Pour ce cas, qui a reçu ces mémos, a réitéré à l'endroit de la population congolaise et africaine que son pays ne ménagera aucun effort pour la protection des droits de toutes les personnes étrangères vivant sur le sol sud-africain, tel que le stipule sa constitution. Et puis cette question, que faire pour gérer les conflits dans la région des Grands Lacs, pour répondre à ces temps des conflits en Afrique? Regardez. En marge du forum sur la résilience, sur la manière dite forum qui s'est tenu à Kinshasa et qui a mis autour d'une table trois pays de cette sous-région, à savoir la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi. Les représentants de ces trois pays frères à ces assises ont réfléchi de résoudre les différents conflits frontaliers qui sont organisés par l'ONG internationale Interpeace. C'est le vice-premier ministre ad intérim de l'Intérieur et Sécurité qui a présidé ces assises d'une portée régionale. À l'ère où nos pays sont pour les initiatives de développement et de coopération africaine à grande échelle, il est plus que temps pour que les foyers locaux des guerres et conflits soient effacés. Au cours de ces assises, vous allez rendre public le résultat de recherche menée auprès de 9315 personnes de la région, spécifiquement dans les provinces du Nord et Sud Kivu, ainsi qu'au Burundi et au Rwanda. Au cours de cette session, les participants ont renforcé leurs capacités sur le programme régional des dialogues transfrontaliers
pour la paix dans cette sous-région, signalant par ailleurs une conférence de presse. Après cette session, conférence animée par les représentants de l'ONG internationale Interpeace Pacifique. La RDC reste une destination touristique et puisqu'il faut le dire, les travaux de la TICA de 7 au Japon ont consacré entre autres la signature d'un contrat de représentation du tourisme en RDC entre l'Office national du tourisme, ONT, et Ubuntu Ngo, une ONG de droit japonais. Reportage signé Marthe Mangazakalala. En marge des travaux de la conférence internationale sur le développement de l'Afrique de Tokyo, TICAD-7, tenue à Yokohama, au Japon, travaux qui ont connu la participation active du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs entreprises et sociétés congolaises, tant publiques que privées, se sont livrées à une véritable course dans un même et seul objectif, faire entendre la voix de la RDC, récédéiste nationale du tourisme, à décrocher un solide contrat de réhabilitation et développement du secteur touristique congolais. Un contrat qui consiste particulièrement en la représentation des intérêts de l'ONT dans les milieux des affaires sur l'ensemble du territoire japonais. Sa signature entre l'ONT et Ubuntu Ngo, une ONG de droit japonais, a eu lieu à l'atrium des Anna Intercontinental Hotel de Tokyo au Japon. Pour les responsables de Ubuntu Ngo, faire des affaires avec les Congolais est plus que prometteur. I think ONT realizes that tapping into the Japanese tourism market. En termes de garantie, je pense que la situation que le Japon a organisée est un bon moteur. On doit voir l'initiative comme étant le Japon qui est en train de redécouvrir et faire renaître l'intérêt qu'ils ont toujours eu pour la RDC. Ce n'est pas seulement dans les infrastructures, mais dans le secteur touristique. Et je crois que l'ONT a réalisé cet engouement pour les Japonais de vouloir découvrir le secteur touristique congolais. C'est une très bonne chose pour la RDC. Et de ce fait, il n'était qu'une question de temps avant que l'ONT s'équipe d'un représentant au Japon. Et je me crois capable de relever ce défi. Il y a beaucoup à tirer du Japon. La directrice générale de l'ONT, Mme Rosette Saïba, a trouvé les mots pour dire toute sa satisfaction quant à la tenue des travaux de la TICAD-7. La signature. Gouvernement et poursuite de travaux faits à Kinshasa le 5 septembre 2019, signé honorable rapporteur empêché et signé honorable Alphany Machozi Marie-Claire, questeur de l'Assemblée nationale. Et dans la commune de Kisanso, l'heure est au lancement des travaux de femmes d'urgence du chef de l'État. Suivez. Dans la commune de Kisanso, l'heure est au lancement des travaux de femmes d'urgence du chef de l'État. Suivez. La pénurie d'eau potable dans la commune de Kisanso est un véritable calvaire pour la population de ce coin de la ville de Kinshasa. Forage d'adduction d'eau du programme de 100 jours du chef de l'État, ces travaux vont commencer loin de 4 matins dans le quartier 17 mai et Révolution. Les habitants de Kisanso ont adressé quelques mots de gratitude au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le bourgmestre de la municipalité de Kisanso n'a pas tari d'éloge à l'endroit du chef qui a pris en compte le. Elle est butée à un nombre de filles arrivées, parmi lesquelles elle a été certes en masse dans le programme de 100 jours de travaux du chef de l'État, qui vient à point nommé, parce que la population de Kisanso a un besoin criant en matière d'eau. Or, comme tout le monde le sait, l'eau c'est la vie. L'eau, c'est la vie, mais c'est une denrée qui se fait rare à Kisanso. Et au moins de 400 000 habitants de Kisanso, et au lien propre, je profite de votre micro pour remercier particulièrement le chef de l'État pour avoir pensé à la commune de Kisanso. En attendant la matérialisation de la promesse, la population de Kisanso garde espoir et les yeux restent tournés vers l'autorité suprême du pays. Encore une fois, c'est communiqué de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 258 du règlement intérieur à l'Assemblée nationale, il est interdit à toute personne non revêtue de la qualité de parlementaire de prendre place dans l'aire réservée aux députés. Les invités aux travaux de l'Assemblée nationale et hôtes de la Chambre s'installent derrière la partie réservée aux députés. Le public s'installe au bas
balcons à concurrence de places assises disponibles. S'agissant des éléments commis à la sécurisation, seul le garde rapproché des membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Premier ministre sont autorisés à se placer à des endroits autres que ceux-ci dessus indiqués. Concernant la presse, seront admis à couvrir la séance plénière de ce vendredi 6 septembre 2019 les journalistes internationaux et les journalistes nationaux accrédités et portant des badges délivrés par le cabinet de l'honorable président de l'Assemblée nationale. C'est signé le secrétaire général Jean Ngouvoulou Kodji. Parlons politique avec l'UEPS en rapport avec la mission de sensibilisation et de mobilisation du parti à Kananga. Nous sommes là dans le Conseil central. Suivez. Aujourd'hui, l'UEPS est le parti au pouvoir. C'est donc le moment de se consolider, unifier et réunir tous les membres et forces dispersées pour se faire une campagne de sensibilisation, réconciliation et redynamisation du parti à Kananga dans la province du Kasaï central. John Kabeya Shikai, c'est le chef de la délégation qui était accompagné d'autres membres du parti, entre autres le député national élu de Kananga. À l'arrivée à l'aéroport de Kananga, une foule anglaise très chaleureuse a accueilli la délégation de John Kabeya jusqu'à la place du meeting sur le terrain Saint-Luc du centre-ville de Kananga. La population ne cessait de scander les cris de joie, signe positif de la cohésion, mais aussi des cris dénonçant l'insécurité dans le Kasaï et la crise alimentaire. Devant cette foule compacte, John Kabeya, soutenu par deux autres hauts cadres de l'UDPS Kananga, à savoir M. Topin Mouké Kengeshai Kabongo et Fortuna Bisselele, a, au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, autorité morale de l'UDPS, appelé les filles et fils du Kasaï à l'unité, la cohésion, l'amour du prochain UDPS. Il leur a rappelé que le linge sale se lave en famille. À l'UDPS, nous sommes liés par un fil élastique qui peut s'étirer sans se briser. Toutes les fédérations seront obligées de se mobiliser dans la cohésion et l'harmonie. Masse dans leurs différentes chaînes d'effroi. C'est dans cette optique, avec l'appui de ses partenaires, notamment l'UNICEF et Gavi, l'EPEV a organisé un séminaire de formation des 35 ingénieurs des chaînes d'effroi de toutes les provinces du pays. C'était à l'INPP. À la clôture de la formation présidée par le secrétaire général intérimaire du ministère de la Santé publique, le directeur national des PEV et les DGA de l'INPP ont tour à tour explicité les bien fondés de cette formation. Ils ont eu l'avantage d'apprendre comment maintenir cette chaîne de froid, aussi pour éviter que les vaccins soient détériorés, parce que c'est très important en rapport avec la santé. Un plan de réhabilitation de la chaîne de froid a été élaboré avec l'appui des encadreurs de l'Institut national de préparation professionnelle afin qu'ils puissent garder le. La clinique Ngalema à 15h15, exposition du corps de l'illustre disparu au secrétariat général à l'immeuble Arumi Royal. À 11h, arrivée du corps au bâtiment abritant le cabinet du ministère de l'aménagement du territoire à l'immeuble de la territoriale à côté du palais du peuple. À 12h30, messe de requiem à l'église catholique Saint-Sacrement des Binza Delvaux. Et à 15h, exposition à la résidence de l'illustre disparu, 6 avenue Boudjala, au numéro 52, Binza Delvaux. Et à 18h, exposition à la salle Emmanuel à l'UPN, arrêt école Kingu, et le samedi 7 septembre à 12h, levée du corps pour l'inhumation au cimetière de Mbeteke, jolie cité, signé Léon Lubambangoy, directeur de cabinet. Un autre communiqué nécrologique, les familles Lulendo, Assouni, Assir, Isia, Kandolo, Madiassi, Béa et Efini ont la profonde douleur d'annoncer au. Et le corps sera exposé à la salle Casbah sur Avenue Bypass, quartier Canriche, dans la commune de Lemba. L'inhumation interviendra le dimanche 8 septembre 2019 à la nécropole entre terre et ciel de l'Antélé. Ces communiqués tient lieu de faire part, signé pour la famille.
RDC, le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, l'a indiqué au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a inscrit sa visite à Kinshasa dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre la RDC et l'Allemagne et de la coopération bilatérale. Il en a été également question au cours de l'entretien que le président de la République a accordé à l'ambassadeur du Canada accrédité en République démocratique du Congo. Reportage signé Pierre Kibambe Somoué. Bali diplomatique à la Cité de l'Union africaine. Une forte délégation allemande conduite par le ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas, a eu des entretiens avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en toile de fond le renforcement de la coopération bilatérale multisectorielle entre l'Allemagne et la République démocratique du Congo. Le ministre allemand a réaffirmé l'engagement de l'action humanitaire de son pays qui contribue à hauteur de 60 millions d'euros en RDC. Il a aussi annoncé l'octroi d'une enveloppe de 7 millions d'euros supplémentaires. Les échanges ont en outre tourné autour de l'affermissement des relations politiques entre les deux pays et des perspectives du retour de l'Allemagne en RDC avec l'arrivée des investisseurs et hommes d'affaires allemands. Le secrétaire général au ministère des Affaires étrangères, Ileka Atoki, a pris part à cette rencontre. Renforcement de la coopération bilatérale également entre le Canada et la République démocratique du Congo. La question était au menu de l'entrevue du chef de l'État avec l'ambassadeur canadien en RDC, Nicolas Simard. Les prochains jeux de la francophonie en RDC, la situation dans l'est du pays, la récente visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans cette partie de la RDC, sont autant de sujets abordés au cours de cette rencontre. Le diplomate canadien s'est réjoui de la grande attention internationale sur la RDC. Ces renforcements de relations internationales sont bénéfiques pour la population congolaise, a souligné l'ambassadeur canadien Nicolas Simard. Je le disais en titre que l'actualité nationale, c'est aussi la clôture de l'atelier du plan national numérique Horizon 2025, dont le plan a été validé à l'unanimité, la création d'une agence pour la gestion du numérique en République démocratique du Congo est l'une des recommandations. Et aujourd'hui, la cérémonie a été constituée par la présentation de ce plan au gouverneur de 26 provinces. Reportage Oscar Balkaïch. Ouvert par le chef de l'État le mardi 3 septembre dernier, l'atelier de validation du plan national du numérique s'est clôturé ce jeudi 5 septembre au terme de 3 jours de travaux intenses. À la clé, un guide des recommandations pratiques à exécuter pour une RD Congo moderne, connectée et performante d'ici 2025. L'objectif du programme des États mobiles est de garantir une participation inclusive de toutes les parties prenantes au processus d'élaboration des lignes directrices du plan national du numérique. L'atelier est pour l'humanité, le partage de la vision du chef de l'État dans le domaine du numérique, l'inclusivité des parties prenantes, la vérification des postulats de travaux préparatoires, la fiabilisation des piliers et des axes stratégiques, la vision de toutes les parties prenantes à la démarche de mise en œuvre du plan national du numérique, la légitimation des actions prévues dans le plan, la détermination des indicateurs clés pour la redevabilité des acteurs du plan national du numérique, la priorisation des actions en numérique et enfin l'appropriation du plan national du numérique par l'ensemble. La présence des gouverneurs de province gage de l'implication de tous pour l'extension de la culture numérique à toutes les couches sociales et dans toutes les localités, traduit l'appropriation de ces programmes nationaux du numérique par la nation tout entière. Ceci nous prouve la suffisance, l'appui enthousiaste que nos gouverneurs faisons au plan national du numérique, qui représente un important valeur moteur du déploiement de la gestion efficiente pour le développement intégral de nos provinces, afin de répondre aux souhaits du citoyen, selon la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Soucieux de faire du numérique congolais un levier de bonne gouvernance, de croissance économique et du progrès social, 4 panels ont été institués pour débattre et élaborer un rapport final du programme national du numérique qui vient d'être validé par les participants à cet atelier. Un projet de transformation, fruit de l'expertise congolaise, a été réuni aux représentants du chef de l'État, le ministre de PTNT, Emery Okundji, qui du coup a clôturé ses assises. Et par délégation, mais conférée par son Excellence
comme Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, je déclare clos les travaux de l'atelier de validation du plan national du numérique. Alors, chers compatriotes, au revoir, Boutikala Malamu, Benobikalambote, Wandugwapenzi, Tunamaliza, Tutaonana, Kesho, Pampangiamono Yaluzoro, Benobikalambote, Betutamalana, Mbas. Bala Betubaswibwe, Shalaibib, Nitumulana. Chikondo chikwabu kuvideo mukwabu. Ana lingo amboshila.